nous faire passer la voix de l'Amérique pour cette information nationale et internationale. Rendez-vous cassé dans les consens. Bonsoir, depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambélisé. On plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, éminente personnalité CARICOM a réalisé un séjour dans la capitale haïtienne pour une évaluation de la situation pays. Premier ministre Gary Conny, toujours dans le pays d'Haïti, a annoncé le gouvernement révoquer Raoul Pascal Pierre-Louis comme président du conseil d'administration Banque Nationale Crédit BNC. Et puis actualité électorale là, aux États-Unis, candidat deux principales partis qui prennent l'élection présidentielle novembre, mène campagne tambour battant pendant week-end. Et puis dans le pays Venezuela, opposition politique a lancé une manifestation mondiale pour 17 août Capvin là pour réclamer victoire dans l'élection présidentielle 28 juillet. C'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. On va aller dans l'actualité internationale là. N'a dit que gain deux nouvelles qui pratiquement dominé médias dans le pays d'Haïti. D'abord gain éminente personnalité CARICOM qui trouvé dans la capitale là. C'était une annonce qui était déjà faite que président conseil présidentiel transition qui était fait ça pour annoncer que éminente CARICOM, éminente personnalité CARICOM dans le pays d'Haïti, c'est une visite il a fait pour évaluation et puis ouais perspective qui gagne après installation et conseil présidentiel transition là pour faire plusieurs rencontres s'il pas fait déjà gagne plusieurs que il déjà fait. Et puis l'autre point dans actualité à et dans le pays d'Haïti, il y a un premier ministre Gary Conny qui fait connaître que le gouvernement mettait fin dans le service Raoul Pascal Pierre-Louis comme président du conseil d'administration Banque Nationale Crédit. Et bien, dans la même correspondance, le gouvernement a demandé Banque Nationale République d'Haïti pour mettre en place un comité gestion en attendant nomination et installation d'un nouveau conseil d'administration. Nouveau développement, ça arrivé après que M. Pierre-Louis ait dénoncé trois membres du conseil présidentiel transition en parlant de Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin qui t'a demandé 100 millions de gouttes pour être capable de rester dans tête institution. Ça qui l'a gagné en pile discrédit sous conseil présidentiel transition et c'est un dossier qui était tout l'ouvri, n'a pas suivi pour. Et puis dans l'actualité internationale, là, gagné ancien président Donald Trump, n'a parlé de l'actualité électorale ici aux États-Unis. Donc ancien président a annoncé une site internet campagne li subi yon attaque sa retarele ou attaque cybernétique. Pendant ce temps, colistier ancien président, J.D. Vance, eh bien, li baye plusieurs interviews télévisées dimanche côté li attaque rival démocrate. Yon l'autre côté, gen vice-président démocrate la Kamala Harris, a colistier li Tim Walz, eh bien, yon continue à rencontrer partisans yon et puis centré attention sur économie pays. Sandra Lemaire, gen détail. Nouvelles sous cyberattaque contre campagne Trump là continuait occuper grand titio quelques temps après candidat présidentiel républicain Donald Trump t'ait publié un message sous ça samedi sur réseau social Truth Social. Message a dit Microsoft fait sous informer nous que gouvernement iranien lancé une cyberattaque contre une principal site New York. Responsable iranien yo rejeté accusation ça yo. Document soi-disant attaque la visée, gen la donne information sous candidat vice-présidentiel J.D. Vance. Monsieur te paraît dans divers programmes télévision dimanche, mais il répond question sous coup cela. Dans le programme de This Week, chaîne ABC, sénateur Ohio a pas trop occupé nouveau critique moun lancé sous déclaration pro-famille fait qui soulevait par les empiles. Li viré attention li pito sous politique démocratio. Li di pour qui nous pas discuter inflation, pour qui nous pas discuter sous prix provision qui tête nègre à cause politique Kamala Harris yo. Vice-président Kamala Harris est concentré sur l'économie à tout dans Las Vegas. Dis-moi pour mettre tout le monde ici que l'homme président m'a continué gouverner pour famille travailleur américain. Augmenter salaire minimum là, et puis éliminer impôts sous pouvoir pour mon industrie service hospitalier. And eliminate taxes on tips for service and hospitality workers. Trump te fait même petite promesse dans passé et puis accusé Harris d'est-ce que le volet politique pas imposer impôts sous pourboire. Pendant moun a demandé Harris bay plus détails sous plan économique li, momentum campagne li apprend ampleur d'après sénateur Amy Klobuchar.
She has ignited the country, starting in Philadelphia, depuis Philadelphie pour arriver à Wisconsin. Il y a plus passé 15 000 monde qui étaient participé dans meeting Arizona. Moun yo intéressé dans l'avenir. People are interested in moving forward. Harris sonne Washington dimanche après l'été assisté au meeting dans San Francisco. Il parle paraître ensemble avec président Joe Biden jeudi dans l'État Maryland. Donald Trump lui-même supposé parler sous économie mercredi dans Asheville, Caroline du Nord. Reportage Veronica Balderas Iglesias, traduction Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, n'a prêté toujours dans actualité ici aux États-Unis côté billionnaire Elon Musk pral bay ancien président Donald Trump yon interview aswea à 8h sous plateforme réseau social X, yon interview qui permet ancien président rive sous yon l'autre qualité publique dans moment campagne électorale a chauffé sérieusement. Valérie Saint-Louis. Entrepreneur billionnaire Elon Musk gen pou le faire une interview avec candidat à la présidence républicain Donald Trump sur réseau média social X là. Jeudi lundi 12 d'août ça. Interview ça c'est un événement qui t'a capoté plus surprise toujours dans la course électorale présidentielle américaine qui déjà très agité. Interview ça qui programmé pour 8h à soir jeudi a, t'a capable bail ancien président une opportunité pour le faire buzz. Dans un moment côté que campagne en perte de vitesse. Rival démocrate pour l'élection 5 novembre, vice-président Kamala Harris, te prend devant Donald Trump dans sondage qui fait sous opinion et intention de vote. Yo. Et puis, il bail électeur démocrate plus force dans une série rassemblement qui gagne en pile énergie. Interview ça sous plateforme média social Elon Musk là, t'a qu'à permettre Donald Trump river sous un public qui différent de partisans conservatifs fidèles Lio, qui le plus souvent participent dans rassemblement Lio, et puis qui compte garder interview Lio sous station télévision Fox News là. Cependant, genre de événement, même genre avec interview ça sous plateforme là, qu'on fait face à des gros problèmes techniques. Elon Musk a écrit sous plateforme XIA, qui c'est ancien Twitter, pour le dire, m'a cité, moi pral faire quelques tests sous système là à soir et demain avant interview. Interview ça pral passer tout en direct sous compte officiel ex Donald Trump là. Selon sa campagne là, t'es fait qu'on est hier dimanche. N'a pas rappelé que Donald Trump t'est retourné gain accès à compte client sous nom ça. @ Real Donald Trump qui t'est rétabli un mois après que Elon Musk t'est vint propriétaire plateforme X là. Une plateforme côté que ancien propriétaire lui-même t'est suspend Donald Trump après attaque cipotelio t'est fait sous congrès à la date 6 janvier 2021. Donald Trump t'est posté sur réseau social Palia qui c'est Truth Social annonce pour interview ça avec Elon Musk qui programmé pour aswea. Elon Musk qui considéré comme monde qui plus riche dans monde là, t'est supporté président démocrate Joe Biden en 2020, mais depuis les ça li viré à droite et puis li endossé leader républicain après tentative assassinat ça qui t'est fait contre Donald Trump en juillet passé. Elon Musk a dirigé compagnie machine électrique Mark Telsayo, Telsa Inc. TSLAO, t'es commencé tout une organisation pour ramasser l'argent pour supporter campagne Donald Trump là. Comité action politique là cap gérer donation l'argent ça yo. Nan moment en bas gros investigation dans état Michigan pour violation la loi état sous rassembler information sous électeur. N'a pas rappelé tout que depuis longtemps Donald Trump t'es qu'on a critiqué machine électrique yo. Li vinn changer position li après que Elon Musk t'es vinn endosser campagne li. Public Donald Trump là sous plateforme X là puis gros passé ça li gagne sous compte propre plateforme par li qui c'est Truth Social. Trump gen plus passé 7.5 millions moun k'ap suivi sous Truth Social là pendant que sous compte X li a côté que pas fin tout actif li gen 80 millions moun k'ap suivi li compte Elon Musk la lui-même qui pral diffuser interview à Aswea gen plus passé 193 millions moun qui inscrit sous li pour VOA Creole dans New York. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Donc on y a nous qu'à commencer à parler de fièvre électorale ici aux États-Unis, t'as qu'on dit 2024 là son année électorale avec présidentielle qui vient pour dérouler 5 novembre cap vin là et prochain gros événement c'est pral convention nationale parti démocrate là cap fait sauti 19 pour arriver 22 août cap vin là et l'a déroulé dans ville Chicago dans état Illinois. N'a quitté actualité ici aux États-Unis pour aller dans région Moyen-Orient. Et gagné d'après yon note pour la presse qui sorti dans Berlin, donc dans le pays Allemagne, et bien chancelier allemand Olaf Scholz mandé président iranien Massoud Pezeshkian lundi dans yon conversation dans téléphone pour lui faire tout ça li capable pour éviter yon escalade militaire dans la région Moyen-Orient.
Monsieur Scholz continue yon l'autre fois encore pour insister pour dire l'est arrivé pour yon mettre dernier main dans yon accord sur cessez-le-feu et puis joindre libération otage qui était toujours dans Gaza dans main militants Hamas et puis immédiatement fait tout effort pour calmer tension dans région et gain plusieurs puissances occidentales qui ouais bagala même gens. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est la guerre et la Russie avec Ukraine. Président russe Vladimir Poutine fait qu'on est Ukraine a cherché à améliorer position pour négociation dans offensive lancée dans Kursk dans l'ouest la Russie pendant l'armée russe lui-même a concentré sous effort pour mettre fin dans action militaire pays ça. Détail avec Serge François Michel. Président russe Vladimir Poutine dit que le principal travail là pour le ministère de la Défense, là, c'est repousser, c'est écraser l'ennemi pour débarrasser le territoire. Et puis, ensemble avec le service garde frontière, il y a bon genre protection pour frontière. Il dit que l'attaque Ukraine sur la région Kursk, là, c'est une tentative pour bloquer l'offensive Moscou dans la région Donbass. Là. Il dit tout, Ukraine a espéré déstabiliser la Russie, mais qu'elle a échoué dans l'objectif ça, parce que la quantité volontaire qui voulait entrer dans l'armée russe a augmenté. Poutine dit que l'armée russe a poussé pour plus de 20 offensives dans Donbass et il s'est menté que Moscou a réalisé l'objectif militaire. Là. Leader Rista continue pour dire, lui vient paraître clair sans aucun doute pour qui raison régime Kiev a toujours refusé proposition nous pour lui tourner bordable négociation. Assemblée, c'est parce que l'ennemi a fait ça mettre Lyon dans l'Occident, v'lui fait, et l'Occident a servi à main ukrainien pour combattre nous. Et en l'autre côté, États-Unis, il y a un gros qui a sauté, lui apprend une nouvelle que l'Iran a livré des centaines de missiles balistiques vers la Russie. Porte-parole du département d'État Vedant Patel dit We are deeply concerned by reports that Iran is planning to deliver. Nous avons un peu d'inquiétude à cause de nouvelles qui dit Iran a planifié pour livrer des centaines de missiles balistiques vers la Russie. Patel parlait de plan du département d'État pour faire face à l'Iran. Il dit et nous-mêmes avec Patel, nous avons montré clair, ni dans G7, ni dans le sommet de l'OTAN qui était fait dans la saison été à Nessa, que nous parions pour avoir une réponse rapide et sévère. Si Iran avançait pour plus devant avec transfert missile balistique, li, ça qui t'a, dans l'opinion pas nous, représenté une grosse escalade dans le support Iran pour invasion la Russie dans l'Ukraine. Le président Ukraine Volodymyr Zelensky dit frappe la Russie lancée sur l'Ukraine, qui sortit dans la région Kursk, là, t'es mérité une réponse égale à confiance. L'idée Ukraine a dit prends seulement dans le commencement de saison été à Nessa, étant dans la région Kursk, là, région soumise. Dans l'Ukraine, subit presque 2000 frappes, pièces canaux, mortiers, drones. Nous suivons chaque frappe missile et chaque frappe qu'on s'est mérité, il y a une réponse qui correspond à lui. Gouvernement provisoire région Kursk, là, dans la Russie, Alexei Smirnov, parlait de l'offensive Ukraine par l'autre beau frontière de la Russie, en Lydie. Situation en Kounila, dans la région Kursk, difficile. 28 communautés en bas contrôle l'ennemi, hein, y ont rentré sous 12 km distance dans Kursk et territoire y ont occupé à gain enlagé 40 km. Lidi, gain 12 civils qui tombés, 121 monde qui blessés, parmi eux 10 timons. Et la Russie a pu évacuer une deuxième région sous frontière à cause de menace là. Ukraine fait qu'on ait contrôlé 1000 km² dans la région Kursk là. Serge François Michel, VOA Creole. Merci d'être toujours été branché sous VOA Creole. Nous saluons tous les amis qui suivent nous sur plusieurs plateformes que nous gagnons, notamment sous VOA Nouvelle, sous VOA Creole, sous Facebook. L'autre point d'actualité, opposition politique là dans le pays Venezuela. Annoncé un gros coquin marche, une marche, une manifestation plutôt internationale pour capable réclamer victoire que yo dit yo remporté dans l'élection présidentielle qui se déroule le 28 juillet là dans le pays Venezuela. Et on a l'ouest à peu près. Dans Venezuela, chef opposition Maria Corina Machado, qui vit dans le cachet depuis une dizaine de jours, lance une grosse manifestation au niveau mondial pour 17 août qui vient là pour réclamer victoire opposition avec Edmundo González Urrutia. Il dit jour ça, il a descendu dans la rue Venezuela, avec la rue le monde entier pour crier victoire et demander pour le monde pour reconnaître victoire avec souveraineté peuple là. Venezuela toujours tête en bas avec un pile violence politique, manifestation ici et là.
et gen moun ki mouri. D'après organisation défense droit moun yo, troubles électoraux fait 24 morts et gen 2200 moun la police arrêté. D'après président Nicolas Maduro, gen deux membres force de l'ordre qui mouri tout. Pendant ce temps, président de Cour suprême, non, Caris Lia Rodriguez, rappelé samedi qui s'est passé là pendant une audience tribunal suprême justice là sous élection présidentielle 28 juillet. Et ben il dit résultat ça que li pral gen pou l'bay et ben la finale. Puis fort observateur considérer que TSJ a trop proche pouvoir président Nicolas Maduro qui lui-même t'est allé dans tribunal là dans date 1er août pour t'est qu'a joindre validation victoire là sous opposition qui dit gain coquin parce que c'est lui-même qui remportait la victoire dans élection ça yo TSJ t'est tendé tout candidat yo avec leader parti yo qui gain là-dedans monsieur Maduro pendant semaine qui s'est passé là excepté candidat opposition Edmundo Gonzalez Urrutia qui pas participer dans convocation parce que il dit que il était peur pour liberté pâle. Conseil électoral national là CNEA t'est ratifié victoire monsieur Maduro 2 août qui s'est passé là avec 52% vote yo sans yo pas rendre public détail bulletin exact on a parlé de procès-verbal et que t'as gagné même yon attaque informatique qui t'est faite. Et opposition lui-même lui dit que li remporté élection sa yo ak 67% voix yo. Donc situation a toujours été compliquée dans le pays Venezuela avec manifestation qu'a fait chaque jour en pile crasé brisé qu'a fait et en pile arrestation qu'a fait pendant ce temps communauté internationale ou même yo chaque a prend position par rapport à crise qu'a saccagé pays Venezuela. Ou souvé ou à créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité dans le pays d'Haïti, un ancien parlementaire, J.P. Chérubin, souhaitait autorité compétente attaquer tout bon vrai problème insécurité qui doit l'ouvrir chemin organisation élection générale pour renouveler personnel politique là d'ici 7 février 2026. Plus de détails avec Rouda Toussaint qui sous place dans Port-au-Prince. Dans le moment phénomène insécurité et violence gang armée a persisté dans le pays d'Haïti, plus précisément Cabaret, Gantier, Gressier, Mariani et divers lots, différentes structures politiques et sociopolitiques pas suspendre lever la voix pour demander mettre en place organe yorelé Conseil sécurité nationale. René Monplaisir, ancien conseiller, ancien président René Prival, quoi c'est moyen pour autorité compétente démontrer peuple haïtien y a bataille tout bon vrai contre insécurité pour capable rétablir l'ordre et la paix dans le pays. Jean ça prévoit dans l'accord 3 avril 2024. Dans le même accord 3 avril, vous êtes supposé monter avec le Conseil de sécurité nationale. Oui. Bon, il va monter. Donc, si vous ne pouvez pas monter le Conseil de sécurité nationale, ça montre que vous n'avez pas une volonté pour la sécurité. Tout. René Monplaisir dit l'autre décision pour l'autorité compétente adoptée pour rétablir l'ordre et la sécurité durable dans le pays, c'est intégrer la collectivité territoriale dans la bataille. C'est peut-être ça, nous demander l'État central pour le travail avec la collectivité, avec CASEC, AZEC, délégué de ville, délégué départemental, vice-délégué, côté de l'immigration, travail avec yo, la douane, qui est passé, tout gagné, les magistrats, ils ont tout gagné de rôle pour jouer, pour permettre que nous freinions ça relais. Phénomène d'insécurité qui a grandi tout partout en Gabriel. L'Ikwe Bagayla pas doué rester comme ça. Côté peuple haïtien, appauvri, décapitalisé, notamment, moun dans la région sud-est, pays d'Haïti. Par rapport avec le phénomène d'insécurité qui décapitalisé tout monde qui sorti dans la zone Gantier et fond parisien, et fond verret, tchot, en sapit, grand gosier, belance. Pérédo, Marigo, Gadiou, pour tout département sud-est. Que ce soit Bénin, Côte de Fer, la vallée de Jacmel, Kajakmel, tout le monde, tout le monde l'a décapitalisé. Pendant ce temps, plusieurs organisations sociales et politiques entendent manifester contre l'insécurité dans différents coins dans le pays, notamment Gonaïve et Port-au-Prince, mercredi 14 août 2024, Cap-Vinla, date cap marqué 233e anniversaire cérémonie Bakaïman. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince.
Merci Ronan Toussaint, yon enseignant qui sorti dans le département Saint-Pierre couronné comme professeur de l'année, donc professeur national en 2024. C'est deux organisations qui prennent décision. Ça détail avec correspondant nous dans Grand Noir, Gérard Maxino. PIFO Institut Global, dans tête collée avec Fondation Digicel, honoré Fundi Joseph, qui sorti dans le département Saint-Pierre comme professeur national année 2024 là, dans une cérémonie qui est déroulée sous thème Professeur ses lumières. Responsable PIFO Institut Global là, docteur Albert Bertrude, encouragé tout professeur qui travaille dans le secteur éducatif là. Célébrer 4e année, 4e édition PRONA, qui est professeur national année. PRONA, c'est une célébration, c'est une façon pour nous valoriser un professeur dans tous 10 départements du pays d'Haïti. Ça nous fait, chaque année, nous travaillons avec Digital Foundation, nous travaillons avec InnoVed, Université Quisqueya, nous travaillons avec UND, nous travaillons avec Université Espagnola, avec MEF, pour nous faire une grosse recherche, pour nous joindre 10 professeurs dans tous 10 départements, pour nous célébrer pour gros travail à faire dans le pays d'Haïti. Ça, c'est seulement une bagage symbolique. Tout professeur en Haïti à la Wounbade, yon mérite yon célébration, yon mérite yon honneur, yon valet, nous tabouye bay non yo. Mais nous pas qu'à faire ça comme une organisation, ça nous fait, c'est nous joindre 10, et puis nous avons tout professeur en Haïti, nous honorer yon Digital Foundation by yon chaque $1,000 américain. En plus de ça, Digital Foundation by PRONA, qui c'est professeur Anéa. Yo payo $2,000 américains. Fundi Joseph qui remporté prix professeur année 2024 là PRONA profiter remercier PIFO Institut Global ak Fondation Digicel ça ka permettre selon lui timoun yo jwenn yon éducation qui de bon qualité. Moi croire dans éducation. Moi croire que capable gagner l'autre changement si tout bon vrai éducation valorisée. Et ceci moi croire que PIFO Institut Global, Fondation Digicel, que travail que y a fait dans éducation li vraiment sans pareil. Alors tout professeur qui t'est participé dans concours qui pas joué une chance rivé professeur national, m'a dit nous tous nous c'est héros, nous tous nous c'est champions parce que nous tous gagnons un seul objectif qui c'est ouais une autre éducation à travers pays. Éducation c'est seul moyen qui capable empêcher pays à plonger dans plus bas fond. C'est la directrice exécutive Fondation Digicel qui dit qu'il a continué à aider PIFO Institut Global dans la bataille à mener pour former professeurs dans le pays d'Haïti. On ne peut pas parler d'éducation si nous ne parlons pas de professeurs. Nous tous, ces résultats, éducation et professeurs qui sont nous. Et ça, c'est une initiative qui valorise le métier. Et c'est pour ça le PIFO-H. Même à l'habitude avec eux, PIFO-H est demandé vraiment, je ne pas hésiter, parce que l'idée naturelle pour Fondation Digicel est accompagnée pour comme ça. Professeur Sayo, qui a participé dans le PONA 2024, est sorti dans quatre coins pays. Gérard Maxino, Cabahitien. Pour la Voix d'Amérique. On a quitté le Grand Nord, on a rentré ici aux États-Unis, plus précisément dans Baltimore. Et bien, il y a une organisation qui est le Comité Haïti, qui réalise dans Patterson Park, dans Baltimore, 4e édition Asian Caribbean Festival, pour montrer les œuvres haïtiennes à quelques pays dans les Caraïbes, dans l'État Maryland. Gentil Augustin Junior, t'es là. Dans la 4e édition Asian Caribbean Festival, dans Patterson Park, Baltimore, dans l'État Maryland, Gary Bien-Aimé, président organisation Comité Haïti, explique VOA Creole pour qui ça yon activité comme ça dans Baltimore. C'est un programme pour la culture haïtienne, parce que depuis longtemps, dans le système de tout ça, la culture nous va négative.
So, comité Haïti nous fonctionner positivement qui ça haïtien a fait les États-Unis. Donc lui là nous vient marcher jusqu'à 20. Mais ça qui est important tout, pour connaître le comité avec Vicious Culture, ça l'a fait Baltimore. Pour l'éducation, santé, classe créole, et les formats à l'université, on a parlé de qui j'ai histoire Haïti. Qui j'ai Haïti bénéficier, ça n'a fait. Et qui j'ai un pays bon ici, bénéficier, ça n'a fait. C'est pour raison ça. Aujourd'hui, on a fait 4e année Festival Comité dans Baltimore. Donc, gros bagage pour nous. 4e édition Festival, ça. Te réuni en pile exposant haïtien à caraïbéen. Yo te exposé produit yo. Tout ça yo, c'est moi qui fais yo, c'est moi qui inspire yo, mon samoula. Et comme haïtien, yo même, yo pas mon seul choix. Ma possibilité avec différents designs, pour nous choisir qui sont les qui sont les meilleurs. Comme toujours, il y a un peu de monde qui vient à me représenter culturellement, qui vient à participer avec nous. C'est bon, c'est bon. On a montré Mounio, on a éduqué Mounio, non Vilio, en créole. En créole, avec une qualité culturelle. Yon Jamaïcain qui était là dans l'activité, tap expliqué VO à créole, qui Jean compatriote Lio remet haïtien. Jamaïcain remet haïtien. Nous remet haïtien. Nous connaissons l'histoire Haïti. En pile moun pa konnen. Mais en pile Jamaïcain connaît l'histoire. Haïti gen en pile bon ressources que li besoin kounya. C'est pas seulement exposant yo qui te partager expérience yo nan activité ça ak VOA créole. Bon pou kounya la, bon c'est première fois m vini, m tande ça fait 4 années. Bon moi mais ça moi ya. Regardez les barres de glace là, c'est bel mouvement. Voilà, regardez style là. OK. Voilà que pas seulement style ça, en même temps dit ça tout. Ouais moi va voir que haïtien pour des petits jacoutio. Quatrième édition ça, t'es chargé avec activité, tankou, danse, classe pour apprendre danser compas, bon manger créole. Parents t'es venu amuser avec petit yo. Et puis, nan fin programme nan, yon groupe compas t'a mette plaisir à te. Organisateur yo, kase yon l'autre rendez-vous avec public là pour yon 5e édition, pi grandiose, gentil. Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Et puis c'était gros ambiance dans ville Paris, dans pays la France, dans occasion clôture Jeux Olympiques. C'était belle bagaille. Nous gain sous place et collaborateur nous Edouard Franklin Chedems. Je dis à ces derniers jours Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est journée clôture Jeux Olympiques 2024 à Paris. Mounio excité pour qu'il y ait un bel hommage à tout athlète qui t'a fait vivre un événement que Paris n'a pas recevoir depuis plus de 100 ans. Moi j'étais super surpris parce qu'il y a une super ambiance, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais, on nous avait dit qu'il y aurait plein de boxons et que ça serait compliqué. En fin de compte, ça s'est super bien passé. Il y avait une belle ambiance, les gens étaient super heureux et franchement, c'est un super événement à faire, quoi. Oui, carrément. Bah oui, on a eu plein de médailles et on a même découvert des athlètes, donc c'était génial. Qu'est-ce que vous attendiez de cette cérémonie de clôture? À mon grand étonnement, on a acheté des places il y a 2 jours. On a voulu fêter un peu la clôture de cet événement. Et qu'est-ce que j'attends? Je sais pas, j'ai envie d'être surpris. Voilà, donc j'ai pas d'attente spéciale. Je trouve que la cérémonie d'ouverture a été exceptionnelle, même si elle a été controversée, mais là, franchement, je sais pas, j'ai envie d'être surpris. Depuis que ça a été, c'est commencé jusque-là, je dirais bravo déjà. C'était un grand événement. J'ai dit, la France, c'est un pays hospitalier. C'est un pays d'accueil. Un pays les bras grands ouverts. Venez, vous tous. Mais moi, j'ai travaillé au Stade de France tous les JO et ça s'est très bien passé. Tout le monde était très heureux. L'ambiance était bonne? Très, très bien. Et que pensez-vous? Comment vous appelez? Déborah. Comment pensez-vous, Déborah? Bah, c'était top. Hein. J'ai jamais vu Paris comme ça. Tout le monde était super souriant, super joyeux et j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai travaillé ici, aussi à l'Arena et c'était très bien. Est-ce que l'ambiance, est-ce que les JO, est-ce que ça va vous manquer? Ah, bien sûr, hein. Tous les Parisiens ils vont revenir après les vacances. J'espère que ça va rester quand même l'ambiance. Mais c'est vrai que c'était une très très bonne expérience et c'est sûr que ça va nous manquer. Est-ce que vous avez vu les Haïtiens? À l'athlétisme, il y en avait un, non? Il y en avait, ouais. J'ai vu. Effectivement. On a vu. Voilà.
Oui, dans la cérémonie finale, Jeux Olympiques 24 jours, dans la ville de Paris, Haïti était bien là. Drapeau bicolore a flotté dans tout stade là. Tableau cérémonie a été déroulé sous plusieurs planètes. Côté où tu es placé à nos Olympiques, en l'air, et Léon Marchand, nageur qui prend 4 médailles d'or, tout seul pour payer la France, était passé flamboyant par Simone Biles pour futur Jeux Olympiques dans 4 ans à Los Angeles. Acteur américain Tom Cruise fait un show extraordinaire en pile acrobatie, show à motocyclette avec drapeau olympique là en main et à le placer à Los Angeles pour prochain Jeux Olympiques. James Franklin Edouard au Stade de France pour la cérémonie finale des Jeux Olympiques 2024. Moi c'est Jacques Lembelizer. Bonsoir. Bonjour, merci parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité et patience. Moi, je vais vous quitter dans le papa mon Dieu parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, Pam, c'est Foucault. Rendez-vous cassé demain matin. Bisous, bisous. One love.